Et bonjour à tous, ici Arches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous faire le speech habituel. Bien évidemment, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu, de commenter. Ça ne vous coûte qu'un clic et moi, ça m'aide énormément. Je vous remercie d'avance. Maintenant que c'est fait, passons au sujet principal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build assez spécial et assez facile d'emploi et d'utilisation, un build Hunting Horn Support. Ce set, c'est un peu la solution de facilité sur ce Monster Hunter. Une bonne défense, des mélodies de soins, une régène de santé assez forte, font que vous ne carterez plus ou alors très très peu sur les différentes quêtes du jeu, y compris les quêtes solo de Kamura. Pour le set, on utilise le suivant. Tout d'abord, la corne de chasse Agitato Calamité 5, qui est la corne de chasse de la Calamité. Pour la tête, le regard Kushala. Pour le torse, la cista Kushala. Pour les bras, la poigne Kushala. Pour la ceinture, la boucle Janat S. Pour les bottes, le mollet Kushala. On utilise le floor ultime afin d'optimiser le bonus de vie et de défense. Et comme talisman, j'ai utilisé un talisman avec cercle de vie 3, un emplacement joyau 2, un emplacement joyau 1. Et là, vous allez vous demander, pourquoi est-ce que j'utilise 4 pièces de Kushala d'Aura? Tout simplement parce que le Kushala d'Aura, le set du Kushala d'Aura, a un talent, Bénédiction Kushala, qui, au niveau 3 de celui-ci, permet à la récupération de santé de dépasser la zone rouge de la jauge de vie. Ce qui signifie concrètement que votre récupération de santé de la zone temporaire de vie va dépasser cette dernière, qui va être très utile avec le Hunting Horn qu'on joue. Pour les joyaux, je les ai répartis de la manière suivante. D'abord un joyau aiguiseur sur la tête, un joyau attaque sur le torse, un joyau inflexible sur les bras, un joyau attaque et deux joyaux aiguiseurs sur la ceinture, un joyau musique sur les bottes, un joyau bénédiction, un joyau parasite sur le talisman. Le set va nous donner les talents suivants. Machine de guerre 4, savoir-faire 3, cercle de vie 3, affûtage rapide 3, bénédiction Kushala 3, témérité 2, normal rapide plus 2 qui ne sera pas utilisé sur ce set, halo de guérison 2, maestro 1, perforant plus qui ne sera pas non plus utilisé sur ce set, Bénédiction 1, Sismologie qui est un talent qui provient du talisman, Picassiette 1, Nerf d'acier 1, Diversion 1. Évidemment, vous avez remarqué que j'ai utilisé deux joyaux machines de guerre pour ce set, simplement parce que j'ai voulu augmenter un peu l'attaque afin de quand même pouvoir faire un peu de dégâts avec cet Hunting Horn. Bon, bien sûr, c'est pas le plus optimisé pour faire des dégâts. On a des Hunting Horns bien plus optimisés, comme ma précédente vidéo sur la Hunting Horn de la base Helgeuse. Mais c'est comme ça que je préfère jouer ce set. Bien évidemment, vous pouvez très bien remplacer les deux joyaux machines de guerre par des joyaux plus orientés support. Tant que vous avez cercle de vie, halo de guérison, vous pouvez très bien augmenter bénédiction, vous pouvez très bien rajouter du 1 pour tous, vous pouvez faire ce que vous voulez. En talent calamité, nous allons donc jouer tranchant type 1, bonus non élémentaire 1, et le plus important, mélodie de soins 2, qui va nous permettre de récupérer les mélodies, récupération de vie G, régénération de vie, qui sont les plus utiles sur ce set. En talent sub, je joue donc ce set comme ceci, avec le coup vertical, le mode mélodie performance et non pas le mode mélodie écho, et la perle de résonance. La perle de résonance va nous permettre de récupérer la mélodie attaque plus, et le mode mélodie performance va nous permettre de jouer nos mélodies de soins plus rapidement qu'avec le mode écho. Je vais passer directement au plus gros inconvénient de ce set, tout simplement l'argent. Ce set vous coûtera horriblement cher à améliorer. Tout simplement 110 000 zénis pour améliorer une pièce de Kushala d'Aura niveau max, récupérer 20 points de défense supplémentaires. Néanmoins, l'argent investi dans ce set sera rentabilisé par une seule chose, les soins que vous allez procurer à vous-même et à votre équipe. Les soins joués par les deux mélodies de soins sont tout simplement énormes. Vous allez pouvoir récupérer énormément de PV simplement avec une mélodie, simplement en appuyant deux fois sur la touche X. Est assez insane. Voilà, je sais que ce build ne va peut-être pas plaire à tout le monde puisque c'est un build qui est orienté support. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur Monster Hunter ou d'autres contenus. N'oubliez pas aussi de venir me faire un petit coucou sur la chaîne Twitch. Je stream régulièrement du Monster Hunter, mais pas seulement. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien et à la prochaine. Bisous bisous!